this light. It's so warm. Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. Aqua. Ven. I wonder if we'll ever be a team again. Looks like all the things that once held us together just push us further away. And now the light has led me here. What am I supposed to do? Was I guided here in order to meet that boy? Oh! Ahoy! We're over here! Riku, race ya! First one to the boat gets to be captain! Come on! You call that running? Outside world? Huh? Why would you say that? Because nobody lives out here. And I know you're not from the main island. Smart kid. So how about you? What are you doing here? Oh. My friend's dad took us out on the boat. This is where we like to play. But they won't let us row out here by ourselves. Not till we get older. Must be hard, huh? Stuck in one place. I heard once there was a kid who left for good. So how did you get here anyway? Is there some reason you're interested in the outside world? Yeah. I want to be strong one day. Like that kid who left. He went to the outside world. I bet he's really strong now. I know it's out there somewhere. The strength that I need. Strength for what? To protect the things that matter. You know, like my friends. Outside this tiny world is a much bigger one. In your hand, take this key. So long as you have the makings, then through this simple act of taking, its wielder you shall one day be, and you will find me, friend. No ocean will contain you then. No more borders around, or below, or above, so long as you champion the ones you love.
You gotta keep this a secret, okay? Otherwise, all the magic will wear off. Hey, what was that all about? You know. Know what? Why won't you tell me? Who was that guy? Somebody you know? Maybe. Oh, there you go again. Just tell me. I really can't. I've got to keep it a secret. Not with me, you don't. I'm like the best secret keeper in the world. Nice try. Oh, Riku! Protect the things that matter. Right. My friends matter to me, too. So, I still have things that I have to protect. That light. Is it Ben? Master Terra, find me. We must speak at once. Master Xehanort. Master Xehanort, you wish to see me? There is no time to lose. I have terrible news. Ventress has stumbled upon the secrets of his origins. Ven? I just saw him. He passed right in front of me. What happened? Ventress is on his way home. If you could have seen the fury in his eyes. I'm certain he's capable of anything. I fear the boy may attempt to force the truth out of Ericus. Master Terra, you must hurry back and see to your friend's safety. Of course. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Razus et on se retrouve aujourd'hui pour ce qui sera le dernier ou l'avant-dernier épisode en compagnie de Terra. Je dois vous avouer que je ne sais pas encore, tout dépendra un petit peu de la durée. Dans tous les cas, voilà, je suis ravi d'être avec vous. J'ai farmé un petit peu, hein, avec des guillemets. On s'était laissé, je ne sais plus quel niveau on était. Quand j'ai voulu tourner ce dernier épisode, il s'avérait que j'ai oublié de sauvegarder. J'ai donc dû me refaire le niveau de Stitch, le niveau de Peter Pan. Et bon, j'en ai profité, on va regarder un petit peu mon jeu de commande vu qu'il est pas fait. Pour voir un petit peu ce que j'ai eu. J'ai également reparcouru tous les mondes pour obtenir tous les stickers. Et les stickers qui sont donc nécessaires pour obtenir la phase secrète. Nous avons donc l'âme de chaos qui permet de... qui est une sorte d'Aquilion mais en plus puissant en fait, tout simplement. Il y a le Zentetsuken qui est pas trop mal, même s'il met trop longtemps à charger, je pense que contre un boss, ça risque de pas être top. On a l'Arsolum qui est vraiment pas mal, c'est une sorte d'espèce d'enchaînement qui se termine où on doit par une petite QTE pour alourdir un petit peu plus les dégâts. Très très puissant aussi. On a le coupe-vent qui est bien, mais sans plus. On voit également que j'ai... Enfin, vous voyez que j'ai créé des petites sphères de manière à augmenter nos compétences. Je vous montre ça tout de suite dès qu'on aura terminé avec notre jeu de compétences. La spire alimentée contre un boss, je ne pense pas que ça servira. Nous avons deux brasiers X obscurs que j'ai réussi à crafter par plus grand de tous les hasards.
Ensuite, on va prendre un soin X. Je me demande si on va pas en prendre un deux. Non, mine carrée. Les mines qui sont vraiment très, très, très puissantes. J'hésite vraiment entre mine carrée et une autre attaque basée sur le feu, qui est mise à feu, qui permet de faire des dommages sur le temps. Des bons dommages sur le temps, même. On va préciser quand même. Et donc voilà. Alors, vu que je ne peux pas lire vos commentaires, peut-être que vous m'avez déjà posé la question, je vais le répéter tout de même. Il est vrai qu'on peut se demander si les petites compétences qui sont assignées à chaque commande, donc par exemple sur ce Rafale X, il y a combo qui est assigné. Si je ne mets pas ce Rafale X dans mon jeu de commande, comment se fait-il que si j'aille dans mes capacités, j'ai tout ça d'activer par exemple, j'ai trois combos, alors que si on repart dans l'éditeur du jeu de cartes, je n'ai absolument pas trois combos. Et bien en fait, une fois que la compétence avec la capacité assignée arrive au niveau maximal, par exemple sur ma mine carrée, il y a combo aérien et le niveau 4 avec la petite couronne qui dit donc qu'elle ne peut plus évoluer, et bien la compétence devient définitive. J'en avais parlé un petit peu au tout début, il me semble, en faisant la comparaison avec Final Fantasy IX, où c'était un petit peu le même principe. Les compétences étaient appartenaient aux armes, et il fallait combattre un certain temps avec les armes pour que les compétences deviennent définitives. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je pourrais réexpliquer dans les commentaires si jamais ce n'est pas le cas. Et écoutez, je pense que là, on est bon. J'enlèverais peut-être plus de météores personnels. Plus de météores ou Arsolum, je sais pas trop. Écoutez, on va rester comme ça pour le moment. Ah oui, et j'ai débloqué quelques coups de glace. Voilà, donc on a étoile obscure 1. J'aime beaucoup le jugement de Ramu. J'aime beaucoup le jugement de Ramu, mais vu que le jugement de Ramu ne peut plus évoluer contrairement à étoile obscure, je laisse étoile obscure. Ensuite, je vais vous montrer les... ici. Donc, j'ai crafté... De manière aléatoire, quand on craft, on a des chances d'obtenir des crafts rares. Et j'ai crafté donc Rayon d'éclair, qui est une sorte de volet obscur, mais en plus puissant. Par contre, non, pas de volet obscur, c'est quoi? C'est Ombre Sonique. Oui, voilà, c'est ça. Donc je vais remettre Ombre Sonique pour ma part, parce que à la fin d'Ombre Sonique, il y a une petite QTE qui permet d'alourdir les dégâts, ce qui n'est pas présent sur les autres. Je sais pas si la somme de tous les dégâts et mieux sur les plus récents ou sur Ombre Sonique, mais dans tous les cas, moi je préfère avoir une petite QTE à la fin, c'est toujours un petit peu mieux. Et bien écoutez, je pense que là on est prêt. J'ai équipé donc la Keyblade Terre Condamnée, qui est notre dernière et plus puissante Keyblade. Voyons voir ce qu'on a en stock. Ah oui, tout ça c'est des trucs qui sont pas forcément utiles à utiliser. Et donc là, voilà ce que je vous disais. Avant de s'attaquer donc à ce Ventus et voir un petit peu qu'est-ce qu'il a, on regarde que les stickers, j'en ai 19 sur 19, cependant, il me semble de mémoire qu'il en manque un, hein, voilà, ici, voilà. Et donc du coup, pour débloquer la fin secrète du jeu, il faut récolter tous les stickers, étant donné que je suis en mode difficile, il faut récolter tous les stickers et les coller. Donc on collera ça ensemble dans une vidéo spéciale où on collera les trois stickers, je pense. Eh bien écoutez, je pense qu'on va y aller. On va d'abord sauvegarder au cas où, parce que ça me foutrait les boules de devoir recommencer ça. Très bien, donc allons voir un petit peu ce qu'il arrive à Ventus. But you must exist no more. Ben! What? Master! Have you gone mad? Terra! I command you, step aside. No! You will not heed your master? I won't! Why do all my attempts to reach you fail? If you don't have it in your heart to obey, then you will have to share Ventus's fate! Enough, Terra! He's right! Quiet! Terra... Terra!
may be my master, but I will not let you hurt my friend! Has the darkness taken you, Terra? Wait, Terra! Ok, donc personnellement ça m'énerve beaucoup, parce que vous avez peut-être eu l'histoire de Ventus et Aqua en parallèle, mais moi non, là moi je n'ai fait que l'histoire de, comment il s'appelle, de Terra, ce qui fait que du coup je ne sais absolument pas ce qui se passe, je ne sais absolument pas pourquoi le maître Heracus veut, ok, bouge pas, non mais stop, hop, merci. Tiens, prends ça mon grand. Donc ça c'est la lame du chaos qui est une sorte d'accident en fait. Ok. Avant de passer de réessayer, je crois que c'est pas une bonne idée hein, cette compétence. Parce que visiblement, je sais pas pourquoi je me fais taper, mais c'est pas grave, je continue à aller dedans. Hein, et là on peut pas l'annuler ce truc. Donc c'est un peu dommage. Donc, écoutez, bon, on va réessayer comme ça. Et donc oui, pour finir avec ce que je disais au début, j'espère vraiment qu'on va savoir un petit peu plus pourquoi pourquoi Maître Heracus voulait absolument tuer Ventus. Alors, on va utiliser Mine Carrée, voilà, qui est une compétence plutôt pratique. Ok, allez, non mais stop. Merci. Hop, on se soigne. Merci. Et l'âme du... Bon, je sais pas pourquoi il y a des attaques qui me font arrêter de taper. Il y en a d'autres qui me font pas arrêter de taper. Donc... Non mais sors, casse-toi de là. Allez, et là faut se soigner mon grand. Soigne-toi. Merci. Mine Carrée, est-ce que ça lui fait des dégâts? Pas l'impression. Non mais... C'est tellement chiant ça, putain! Voilà, donc ça c'était la compétence dont je vous parlais, Arsulum, qui est plutôt pas mal. Est-ce que ça va lui faire des dégâts? Allez. J'ai pas vu. Oh putain, on va refaire ça. Hop, on va se soigner. Allez, vas-y, envoyez-moi tes épées. Tu vas tourner. Si, il va tourner. Allez, vas-y, balance-moi tes trucs. Hop là. Voilà. Ah, ça c'est bon là. J'ai trouvé le bon timing pour lui faire une lame de chaos. Allez, vas-y, termine-le. Allez, termine-le. Yes. What have I done? Master, I just wanted to keep Ven safe. No, you were right. I failed you, Terra. Perhaps I've no one to blame but myself for the darkness inside you. And now I've done worse. Raised my Keyblade against you and Ventus. My own heart is darkness. Me
Master Ericus. What a sight. Why do you trouble yourself with remorse, Master Terra? The man was bent on doing harm to your friend, his own pupil. Master Xehanort, why? You know, at times I find your progress quite striking. But you still fall short. Let all that anger out, my boy. Give your heart over to darkness. What do you mean? Still so blind. Then I will make you see. Come to the place where all Keyblade wielders leave their mark on fate. The Keyblade Graveyard. There you will watch your dear Ventus and Aqua meet their ends. And the last light within you will die. You won't need a home anymore where you're going. What? Xehanort! Ven, Aqua, I won't let him hurt you. Wow, longue portée qui n'agit pas beaucoup sur votre magie, mais vous procure un bonus de force incroyable. D'accord, bon, ben, je sais pas si on va mettre celle-là, parce que elle est très jolie, mais... Mais quand même, c'est pas la Keyblade de Terra, enfin c'est pas celle qu'on voit dans toutes les cinématiques, dans tous les trailers. Et rapport sur Xehanort, d'accord. Et bien, bon, alors écoutez, on va continuer, je vais pas faire de speech de fin d'épisode au cas où. Je pense plutôt qu'on va continuer à l'histoire, alors j'en sais trop rien en fait, mais du coup j'ai un peu l'impression que Xehanort essaye de faire tout ce qu'il peut pour que Terra succombe aux ténèbres et que donc il puisse le contrôler grâce aux ténèbres dans son cœur, comme ce qui s'est passé quand Maléfique a contrôlé Terra. Après je me trompe peut-être, mais j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe quoi. Il veut vraiment faire son pantin, un petit peu comme Vanitas, même si je ne connais absolument rien de Vanitas pour le moment. Écoutez, on va atterrir et puis on va bien voir ce qui va se passer.